Bonjour à tous et bienvenue à quatrième de couverture. Aujourd'hui, il s'appelle Mon oncle. Il vient de publier aux éditions Hullard dans la collection Cannes un texte qui tient à la fois de l'essai et du roman intitulé « Fonctionnaire pour le nul ». Je résume, c'est un peu l'histoire de quelqu'un qui est particulièrement doué pour son travail, pour la fonction. Jetons un coup d'œil au quatrième de couverture. « Je suis nul », pensait-il obsessionnellement. « J'ai tout fait pour que cela ne se sache pas, accumulant diplôme par-dessus diplôme. Après avoir passé mes plus belles années dans les universités, j'en suis sorti intact, sauf que j'avais contracté le virus de la paresse. Maladie pire que le sida. On n'a fait aucune recherche pour trouver un vaccin. On n'en meurt pas. Mais heureusement, ou hélas, c'est une maladie incurable. Où ai-je trouvé la force, l'énergie pour remplir un formulaire, pour passer une entrevue d'emploi et de devenir fonctionnaire? Tout cela reste pour moi un mystère, au sens que lui donnait le petit catéchisme de mon enfance, soit une vérité révélée que l'on ne peut pas comprendre. Maintenant, il ne me restait plus qu'à toucher mon chèque de paye, à planifier mes vacances, mes journées de maladie, mes congés à traitement différé. Ouf, cela allait être épuisant. On le voit, le plaisir du texte risque de ne pas être là pour tout le monde, particulièrement pour certains productivistes. Et pour les autres, ça peut être une lecture agréable, qui, à mon avis, ne peut pas aller quand même jusqu'à la jouissance lacanienne du texte. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, aujourd'hui, à quatrième de couverture, nous avons parlé de « Un fonctionnaire pour le nul », publié par mon oncle, aux éditions Hullard, dans la collection Cannes. Bonne lecture à tous, et à la prochaine!